l'histoire de deux Sénégalais qui quittent Saint-Louis du Sénégal pour tenter l'aventure en France et qui traversent l'océan Atlantique grâce à une pirogue. Et en fait, ils arrivent aux Canaries, puis de fil en aiguille, ils arrivent jusqu'à Paris et vivent 36 000 aventures. Et en fait, ils s'aperçoivent assez vite que la vie telle qu'ils l'espéraient en France n'est pas du tout celle qu'ils imaginaient, car quand on est sans papier, puisqu'ils sont évidemment sans papier et sénégalais, donc dans le pays des droits de l'homme et du citoyen, mais pas de la bonne couleur, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ils vivent 36 000 aventures. Donc, je raconte un peu le quotidien des sans-papiers, qui n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est parfois infiniment dur, parfois très marrant, et dans une langue que j'invente, qui est explosive, qui est une déformation du français, mais de façon très humoristique, et en même temps très poétique, très imagée. Et je pense que cette juxtaposition des situations qui sont parfois très cruelles, et de cette langue qui est explosive, fait que le bouquin a quelque chose d'assez unique, je pense, et d'assez intéressant. En même temps, toutes les choses dont je parle sont des choses véridiques, puisque je me suis documenté sur la vie de sans-papiers, de choses comme ça. Et en plus, c'est tiré d'expériences personnelles, puisque moi-même, je suis belge, mais expatrié en France. J'ai vécu certaines choses à travers les rapports administratifs qui sont de l'ordre du vécu dans le livre et qui sont parfois assez kafkaïens, à vrai dire.